Good morning, Aleiden, et aujourd'hui le Nishmat Léa Chaya Bat Mazaltov, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucienne Batreina. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Sota Perektet Mishnah Aleph. Egla Arufa Bilishon Akodesh, Sheneemar Ki Matsechalal Baadama, Veyatseu Zekenecha Veshofetecha. שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאין, רבי יהודה אומר, חמישה שנאמר, זקנך, שניים, ושופטך, שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפין עליהן עוד אחד. On démarre dans le dernier chapitre de Sota, פרק ט', un sujet qui a aucun rapport avec la Sota, c'est le sujet de la Egla Arufa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis le début du chapitre Zayin, je crois, on avait vu là-bas les mitzvot de la Torah qu'il faut, dans plusieurs mitzvot qu'il faut faire des déclarations, certaines déclarations qu'on peut le faire dans toutes les langues, d'autres déclarations qu'on peut faire spécialement à la Shana Kodesh. Le dernier cas évoqué qu'il fallait nécessairement à la Shana Kodesh, c'était la Egla Arufa. Et donc c'est l'occasion de maintenant de nous donner toute la lachot de la Egla Arufa. Comme on a eu maintenant, dans le péri précédent, on a eu toute la lachot de la manière de sortir en guerre avec le Mashouach Milchama et les déclarations qu'il fallait faire, d'accord? Il y a à présent, on va avoir dans notre Mishnah, dans notre chapitre, pour la plupart du chapitre même, le sujet de la Egla Arufa. C'est quoi la Egla Arufa? La génisse qu'il fallait eunuquer, en bon français. C'est-à-dire, on va faire, ce qu'on va faire tout de suite là, c'est que d'abord, il va y avoir des méchinotes très longues, je vous avertis tout de suite, à la fin du chapitre, ça va être très long, on essaiera de faire le plus vite possible, les Hachem. Pour le moment, pour notre Mishnah en introduction, on va ouvrir le Chumash Dvarim, Parashat Shoftim, Perek Raf Alef, Ki imatse chalal ba'adama asher Adonai Elohecha noten necha l'erishta. Nofel basade lo noda mi'ikaou. Lorsque tu trouveras un cadavre par terre, sur la terre, qu'Hachem, ton Dieu, te donne pour hériter, et qu'il est nofel basade, il est tombé par terre dans le champ, lo noda mi'ikaou. On ne sait pas qui l'a frappé. Soit à l'extérieur de la ville, on trouve quelqu'un qui était assassiné, on ne sait pas qui l'a tué. Et ils sortiront les vieux, les sages, et les juges. Et ils mesureront les villes qui sont autour du cadavre. Et elle sera la ville à Krova et les Halal, qui sera proche du cadavre. Donc, on va donc en fait, il y a deux, on va le trouver à titre d'exemple. Entre la ville Aleph, on va prendre entre Natania et qu'est-ce qu'on va dire, et je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme ville à côté là-bas, Ercilia. On a là-bas entre les deux villes, je sais pas si à côté de Natania et Ercilia, je suppose, Richpon, on va dire comme ça, Natania et Richpon. Et là-bas, donc, on a trouvé un mort en pleine route, et on va donc mesurer. Qui, de quelle ville est-il le plus proche? Vayahir Akrova El Echalal, elle sera la ville qui sera le plus proche du cadavre. Et Velakru Zikne Ahir, et les sages de la ville, de Zikne Ahir Ahir, les sages de cette ville, ils prendront une Eglat Bakar, une génisse, donc des ovins, d'accord, du gros bétail, Asherlo ou Badba, qui n'a jamais servi à une génisse, c'est la petite, quoi. Qui n'a encore jamais travaillé, à Sherlo Mashrabeol, qui n'a jamais tiré la charrue, le joug. Et après, la Torah nous précise, on verra après plus dans les détails comment ce qu'il faudra faire, mais très vite fait, je fais le passage qui suit. Voridou Zikne Ahiraï, et les sages de la ville, ils amèneront là-bas, et à Egla, ils apporteront cette Egla, cette génisse, El Nachal Eitan, dans un fleuve. Ils devront emmener cette génisse dans un fleuve qui est asséché, ouais, ou durci, on verra dans les détails, plus en détail. Asher lo ye'ovad bo, qui ne sera jamais travaillé, une terre qui ne sera pas travaillée, velo izarea, qui ne sera jamais semé, ve'arfu sham et ha'egla banachal, ils devront énuquer. Là, énuquer, ça veut dire faire le contraire de la shrita. La shrita, c'est par devant, on l'égorge, par derrière, on prend une hache, et tac, on la tue. Et après, il y aura des déclarations à faire en disant que qu'on n'était pas responsable de ce qui s'est passé. Et Hachem, soit Mechaper, expie
la faute qui a été faite ne nous punit pas, parce qu'en fait, on a une certaine responsabilité lorsqu'il y a quelque chose qui se passe à notre proximité, donc c'est une autre manière d'apporter notre kapara. D'accord, c'est le principe un peu de la Aroufa. Bien sûr, on va voir tout ça plus dans les détails, et même les déclarations qu'il faut faire. Dans les psukim qui vont suivre, que d'ailleurs je n'ai pas lu, il va falloir ensuite, une fois qu'on va faire la Arifat à Egla, qu'on va énuquer la génisse, et donc qu'elle va mourir, ensuite il y avait une déclaration à déclarer, deux déclarations même. Une déclaration par les sages, une déclaration par les Kohanim. Ces déclarations devaient nécessairement être prononcées en hébreu, en la Shana Kodesh. D'accord? Donc maintenant on va commencer avec notre Mishnah, on a compris le principe. Egla Arufa, la génisse que l'on eunuque, qu'on casse dans la nuque, donc on va la tuer par la nuque, la guillotiner. Bilshon HaKodesh, il fallait faire les déclarations en la Shon HaKodesh, comme nous dit le verset. Chez Nehemar, là, c'est le problème, c'est qu'on va apporter un verset qui n'a aucun rapport avec le sujet, mais avec la halakha précise. Mais là-bas, il y a marqué qu'il matzeh halal badama, lorsque tu trouveras un cadavre sur ta terre. Et là-bas, il y a écrit ensuite, Viasus Ganecha Veshoftecha, ils sortiront les. Non, il y a même un point. Donc en fait, on a rapporté un mauvais pasouk, c'est-à-dire. On a apporté le début de la séquence, mais sans préciser de quel pasouk on est dû qu'il faut que ça soit dit en Lashon HaKodesh nécessairement. Le Barthénois, il va nous dire qu'en fait, il y a écrit à la fin, Ve Anu Ve Amrou. Ils répondront et ils diront. Or, on apprend donc Anu Ve Amrou, Ve Anu Alevim, Ve Amrou à propos de. Des brachot de Hargrizim Areval, je ne sais pas si vous vous rappelez maintenant dans Perek Zayn, si je ne me trompe pas, ou peut-être. Ouais. Et là-bas, on apprend que c'est en Lashon HaKodesh, idem aussi ici en Lashon HaKodesh. Maintenant, du coup, on a ouvert le sujet de la Aroufa. On va maintenant entrer dans toute la Lachot. En commençant par Veyatzu Zekenecha Veshofetecha. Et ils sortiront les vieux, les sages, et les juges. Shlosha mi beddin agadol chez Yerushalayim ayosin. De là, on déduit qu'en fait, il fallait qu'il y ait trois juges du beddin, du grand beddin de Yerushalayim, qui viennent pour mesurer entre les villes. C'était pas à aux juges de la ville elle-même de le faire, mais il fallait amener trois juges du grand beddin du Sanhedrin de Yerushalayim qui viennent eux pour mesurer. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, Chamisha. Ça ne suffit pas 3, il en faut 5. Pourquoi? Viens, on fait le compte ensemble. Shenemar Zekenecha, comme nous dit le pasuk. T'es sage, ça fait déjà au pluriel, ça fait déjà 2. Shnaim. Veshofetecha était juge. Encore une fois, Shnaim. Ça fait 2 et 2. Alors 2 et 2, vous allez me dire, ça fait pas 5, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Alors quoi? Seulement il y a une autre règle, que Ven Bet Din Shakul. Je t'ai demandé d'amener un beddin, mais jamais on fait un beddin qui est chakoul. On n'apporte pas un nombre de juges où on peut se retrouver à ex aequo. Il faut nécessairement qu'il y ait un nombre impair pour qu'il va y avoir un plus grand nombre qui va dire oui ou non. Un qui va l'emporter, avoir la majorité qui va l'emporter sur l'autre. Donc, ven beddin chakoul. Il y a une halakha qui ne faut jamais faire un beddin qui est chakoul, qui est équivalent. Et donc, de ce fait, mosifin alen odechad. C'est pour ça qu'on va ajouter un juge supplémentaire, donc ça veut faire 5 juges, d'accord? Ça signifie en fait en deux mots, donc on retient qu'on a une marloquette pour le moment. Combien de juges de Yerushalayim va-t-il falloir apporter pour mesurer? Est-ce que ça suffit d'apporter 3 pour Tanakama? Et Rabbi Yehuda qui va me dire 5, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.